Good morning, allez Yiden, les juste aujourd'hui le lundi matin, Doveni Yudit Yvette Abraham Ben Chedva, Chaya Esther Bat Miriam Yitzhak Perez Ben Fortuna, ainsi que le Fouat Chaim Abraham Ben Rachel Moshe Yoel Ben Rachel Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez vous aider à une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étions aujourd'hui Maserat Shabbat Perek Vav, Mishnah Yud Yotzin Bebeitzat Achargol, ou Beshen Shual, ou Bemasmer Minat Salouv, Mishum Refoua. Divrei Rabbi Meir, Vachachamim Omrim, Af Bachol Asur, Mishum Darkei Ha'emori. Bon, aujourd'hui, on va faire de la sorcellerie, en fait. Et on commence à traduire directement. La Mishnah me dit on a le droit de Yotzin Bebeitzat Achargol. On a le droit de sortir avec un petit œuf de sauterelle, ou Beshen Shu'al, avec une dent de renard, ou Bemasmer Minatsalouv, et avec un clou qui vient d'un homme qu'on a pendu, d'un clou, c'est-à-dire de la potence, d'un clou de potence, on va appeler ça comme ça. Tout ça, c'est permis de le faire à Shabbat Mishum Refoua, c'est permis Mishum Refoua, parce que, étant donné que ce sont des choses qui guérissent, donc étant donné que c'est quelque chose qui guérit, on a le droit de sortir avec dans le Shu Tarabim, c'est comme ce qu'on a vu avec le Kamea, le, comment on appelait ça déjà, l'amulette, le talisman. Et tandis que Chachamim discutent, contre Rabbi Meir, et disent que quoi, Afbechol Asur, même dans un jour de deux semaines, c'est interdit de sortir, Mishum Darke Aemori, parce que ces choses, ces usages-là, ce sont des usages païens, des émoréens. Et on commence à expliquer un petit peu de quoi on parle. D'abord, premièrement, d'abord, on va expliquer à quoi servent chacune des choses. L'histoire de l'œuf de sauterelle. Alors, le Bartanura nous rapporte que c'est. On prend un œuf de sauterelle, de chargol, ouais, il traduit ça. Et ta chargol leminéou, c'est une sorte de chagave, et on le met dans l'oreille si on a des douleurs d'otite, et bien on met l'œuf de sauterelle là-bas, et ça résout le problème. L'histoire avec le shen shu'al, une dent de renard, c'est pour quelqu'un qui a des problèmes de sommeil, ça implique insomnie, comme au contraire qui dort trop. S'il dort trop, il prend une dent de renard vivant, il l'accroche sur lui, comme ça s'est rapporté. C'est pas dit où on l'accroche, j'imagine autour du cou. Et celui qui a des problèmes, au contraire d'insomnie, eh ben, il peut qu'il prenne une dent de renard mort, et il l'accroche de nouveau, et ça va l'aider à mieux dormir. Et le masmer tsalouv, alors le masmer tsalouv, on parle de prendre un bois d'une potence, d'accord, et là-bas, on le met, si on a une plaie qui est un peu gonflée, on le pose dessus, puis ça résout le problème, ça le diminue. Ça, c'est un premier avis. Le Rambam, il explique ça différemment. C'est qu'on ne le met pas sur la plaie elle-même, mais on le met, si quelqu'un qui a une grosse fièvre, il l'accroche sur son cou, et ça lui passe. Voilà pour le, premièrement, d'abord définir chaque chose. Il y a maintenant une marloquette super intéressante dans la Mishnah. On a Rabbi Meir qui nous dit, tu as le droit de faire tous ces usages-là, parce que ça, si c'est pour guérir, tu as le droit de le faire. Il n'y a même pas de question, même, tu es sûr que tu as le droit de le faire. Et tu as même le droit de sortir avec pendant Shabbat, parce que tout ce que tu as besoin que tu mets sur toi pour protéger ton corps, pour le guérir, eh bien, on a le droit de sortir avec pendant Shabbat. C'est pas considéré comme une charge. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Et Chachamim te dit non, là, je suis pas d'accord, parce que même dans un jour de semaine, c'est interdit de le faire, parce que c'est un usage païen. Et il y a marqué dans les usages païens, Ouvechokotehem, l'eau Tedekhouv ne partirait pas selon leurs usages, ou ne ferait pas les usages des païens. Maintenant, on va l'expliquer un petit peu mieux, parce que là, c'est très, il y a une grande marque. D'abord, pour la halakha, concrètement, regardez dans le Barthénora, le Dibur HaMatril. Chez nous, on a écrit que Chachamim disent Av Bechol Asur. Le Barthénora, il dit non. Rabbi Meir dit que même Bechol Asur. C'est-à-dire qu'en fait, on a Chachamim qui permettent. C'est une grande influence sur la halakha, même si ce n'est pas forcé. Quoi qu'il arrive, tous ces usages-là sont permis à faire puisqu'ils guérissent. Et là, du coup, il y a une tshuvat Arashba. On a fini le cours d'abord pour expliquer la Mishnah concrètement. Ceux qui sont pressés, ils peuvent déjà. Mais si déjà pour ceux qui ont du temps à passer, eh ben, ils vont découvrir quelque chose de très intéressant. Il y a une très longue tshuvat Arashba. Dans le responsable du Rashba, Chelek Aleph Taf Yud Gimel 413. Une très longue tshuvat du Rashba pour définir. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire comme remède et qu'est-ce qui est interdit de faire qu'on entre dans le cadre de Darkei Emori? Ça commence en fait, ça part à partir du Rambam.
essentiellement dans le Moreh Nevouchim, que selon le Rambam, on ne peut se guérir qu'avec ce qui est purement naturel, prouvé scientifiquement. Ça, c'est l'avis du Rambam. D'accord? Et tout le reste, c'est interdit à cause de l'orgueil, tout ce qui n'est pas forcé. Du coup, ça touche, vous savez, il y a des applications gigantesques, énormes, de partout. Il y a plusieurs années en Israël, ils avaient développé une nouvelle technique pour guérir. Je connaissais quelqu'un qui était parti le faire, même s'il y avait des rabbins qui sont sortis contre ça complètement. Quelqu'un il va le soigner en lui mettant les mains sur lui, ça va guérir le fils qui a des problèmes de fuite la nuit, par exemple. Alors que le fils n'est même pas là. Avec des trucs un petit peu comme ça, ésotériques, un peu originaux, ça touche à toute cette chouvat arajba. C'est encore fréquent, même il y a eu récemment encore, il y a eu la même question qui s'était posée, j'ai oublié la conclusion, donc vous ne la connaîtrez pas. Ce qui paraît, quand on prend un avocat pour qu'il ne noircisse pas, eh bien, il y en a qui mettent, c'est fréquent chez les traiteurs, à ce qui paraît, tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Ils coupent l'avocat, et ils prennent le noyau et le mettent dans l'eau. Et tant que le noyau, il est dans l'eau, dans la cuisine de chez moi ici, l'avocat qui est à 50 km, eh bien, il ne noircit pas. Il n'y a pas de logique scientifique qui a été prouvée. Donc du coup, là, on entre dans le problème, est-ce qu'on entre dans toutes les fausses croyances? C'est le gros sujet des fausses croyances. Quand c'est permis, dans quel cadre c'est permis, dans quel cadre c'est interdit? Le Rambam, il a été très violent dans tout ça. Tandis que le Rajba, il est beaucoup plus permissif. De manière générale, il va nous dire justement, le Rajba, il va nous dire non. Quand la Gemara, elle a dit, Abaye Ravaï, on dit, Kol Sheish Bo Meshum Refoua, In Bo Meshum Darkei Mori. Tout ce qui concerne la guérison, c'est quelque chose. Alors, il faut que ce soit quelque chose qui a été déjà prouvé que ça guérisse. Premièrement, quelque chose que ça a déjà guéri. On remarque que ça guérit, même si on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas comment, on ne sait pas le démontrer. Le Rajba, il prend un exemple. Pendant des années, les scientifiques ne connaissaient pas le champ magnétique. Pourtant, il y avait quelque chose de magique, vous imaginez? Il y a de la matière morte, du fer. Vous prenez de la matière morte, un aimant, vous l'approchez, et puis le fer, il se met à sauter. Aujourd'hui, on s'est démontré ça. Après plusieurs années qu'on utilisait de l'aimant après, ça a été démontré avec les champs magnétiques, comment ça fonctionne. Idem avec la boussole, c'est quelque chose de merveilleux, quoi. Une boussole, elle pointe du nord, pourquoi? Ils n'avaient pas de logique à l'époque, ils n'avaient pas le démontré, pourtant, ça marche. Ben, selon le même principe, le Rajba, il te dit, tu sais, si jamais c'est prouvé que ça marche, ben ça marche. Alors ne commence pas à me faire le gros scientifique qui va me dire, ah, mais c'est quoi la logique? D'accord, la logique, tu la connais peut-être pas encore, c'est pas grave, un jour on la connaîtra, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans, si ça a été prouvé que ça marche. Du coup, le Rajba, il rentre dans tout un tas de domaines, il explique qu'en fait, dans la création, Hachem, il a laissé des courottes, des forces, un peu, des forces de Sgoula, je sais pas comment ça traduit le bon mot Sgoula, qui a des propriétés particulières, singulières, qu'il a laissé dans plusieurs choses, en l'occurrence, chez le renard, avec le chêne choual. La dent de choual, ça aide, ça favorise à ça, même si c'est pas encore démontré. Peut-être qu'un jour on étudiera le sujet et puis on montrera en réalité combien ça aide et combien c'est prouvé scientifiquement, peu importe. Pour le moment, Hachem, il a laissé, quand il a créé le monde, il a laissé des forces. Il a laissé des forces, et même mieux que ça. Il a même aussi calculé les périodes. Il y a un interdit de la Torah en général, l'Ote Onenu, Beloten Hachou. Il y a toutes sortes de choses, on n'a pas le droit de calculer selon la Torah, on n'a pas le droit de sortir. De se dire que ça c'est une bonne période pour faire semer, si c'est pas quelque chose de prouvé. Hein, c'est un jour qui a une bonne zgoula. C'est un très grand sujet. On avait eu dans 5 minutes éternelles, il y a à peu près 6-7 ans en Elul, en guise de préparatif. Ah, on l'avait même repris récemment. Alors, en guise de préparatif à Pessah, plutôt à Rosh Hashanah avec les Simanim, on avait développé le sujet. Un peu longuement expliquer comment ça marche, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, selon le même principe. On fait des choses qui ont des sgoulottes, en fait, qui ont des sgoulottes. Est-ce qu'on a le droit de calculer les périodes? C'est un jour propice, c'est un jour qui n'est pas propice. Quelqu'un qui sort de chez lui, qui voit un chat noir, qui fait demi-tour, là, il transgresse un interdit, la Torah de l'Otan Hachou. Dans quel cas c'est permis, dans quel cas c'est permis? D'un autre côté, on remarque, la Gemara nous dit, c'est bien de se marier le jeudi et le vendredi, parce qu'Hachem a donné la bracha, c'est-à-dire le mercredi soir, parce qu'Hachem a donné la bracha au poisson, il a donné la bracha à l'homme, il a dit Pérou Urvou. Et donc c'est un jour où on remarque que Chachamim ont, oui, fonctionné. Mieux que ça, quand arrive le mois de Av,
Tammuz, Av, il y a des restrictions, il ne faut plus frapper les enfants d'aucune manière parce que ça peut devenir très dangereux, ça prend de proportion. Donc tout ça, ça touche à un domaine très large. Si ça vous intéresse, ben, ouvrez le Shutarajba, Chelek Aleph, Taf, Yud Gimel, il rallonge longuement. De manière générale, donc j'étais en train quand même de donner deux, trois directives qu'il y a dans le Rajba. D'une part, premièrement, quelque chose qui a été prouvé que ça marche, même si on ne sait pas le démontrer scientifiquement, mais si ça marche, ça marche. Et deuxièmement aussi, rester en contact avec Hachem dans chaque chose. Ne pas comprendre, ne pas se mettre à croire que ces choses-là peuvent fonctionner au-delà de la force d'Hachem, mais toujours se dire, autant que si je suis malade, eh ben, j'ai même un devoir de me soigner, il y a même, Rajba, il parle même de ça aussi sur ça, obligation de se soigner. À part si on s'appelle Rabbi Hanina Ben Dossa, dans certains cas de figure particuliers, qu'on a le droit de faire de forcer un petit peu la dose sur la Emouna El Bitachon et se mettre à faire des choses au-delà des règles naturelles. Mais d'un genre, on a l'obligation de se soigner et on ne se pose pas des questions, comment ce petit cachet il peut me guérir ou il ne va pas me guérir. Tu le prends et tu fais mais tu réalises bien que ce n'est pas le cachet qui va te guérir. C'est Hachem qui a mis la force dans quand il a créé le monde, il a dit que tel produit pourra résoudre le problème, oui ou non, mais en tout cas, ça favorisera, que ça va te faire baisser la température, ça va t'aider à ci, ça va t'aider à ça. Et selon le même principe, on a le droit de faire toutes sortes de sgoulottes qui ont été prouvées, comme c'est rapporté dans les Sfarim, et même aussi, parfois même, de profiter que c'est un jour où c'est plus propice parce qu'Hachem, de nouveau, on rattache ça à Hachem, et que c'est un jour où Hachem, il donne plus de bracha, il y a plus de joie, c'est une période on a une plus grande proximité à Hachem, il a plus envie, moins envie, d'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, ça va.